here's your chance. Career dominate off-road racing on his way to the top. Champions swings around it brilliantly. Now that's the skill that wins no matter what the engine, no matter what the track. He's this season's undisputed motorsports champion coming out of nowhere to rise to the top. Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où là ça va un peu changer des vidéos R6. Je vais vous faire un test de la bêta de Crew 2. Qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Voilà. Du coup, ce jeu pour moi il est bien. Il est bien dans l'ensemble, il est bien. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il est très réaliste en plus dans les kilomètres. Les kilomètres, c'est des vrais kilomètres. Ils prennent du temps à se faire. Un kilomètre, c'est un vrai 1 km. 2 km, c'est un vrai 2 km. Ça, c'est vraiment bien aimé. La conduite de la voiture, elle est pas si facile que ça. Il faut s'y habituer. Il faut s'y habituer. Et ça, c'est vraiment bien. Même si c'est pas compliqué, mais c'est en mode arcade. C'est pas en mode facile. Voilà. Aussi, il y a... On peut faire plusieurs courses, on peut faire de la voiture, de l'avion, des bateaux, ça c'est vraiment bien aimé aussi. Mon préféré c'est la voiture. Dans la voiture on peut faire aussi du tout-terrain. Mais je préfère la voiture de ville, mais le tout-terrain c'est pas mal non plus. Après l'avion, c'est bien aimé pour s'amuser parce qu'il faut faire des freestyles avec l'avion et tout. Et les bateaux... C'est le truc que j'ai moins bien aimé, mais c'est pas mal non plus. C'est voilà. Et aussi pour et aussi les nitros sont dans tous les styles de course quoi. Aussi il y a plusieurs saisons. Tant que j'ai joué, j'ai eu la pluie, j'ai eu le soleil bien sûr, et j'ai aussi eu la neige. J'ai aussi la neige, ouais, il y a la neige. Ça c'est vraiment bien. La carte de ce jeu elle est bien, elle est grande. Sans que dans le jeu quand il va sortir elle sera beaucoup plus grande, beaucoup plus grande. Mais déjà elle est vraiment pas mal avec plusieurs activités. Enfin, il y a plusieurs interfaces, il y a les news, il y a tous les news du jeu je crois. Il y a l'endroit où on peut choisir les voitures. On peut les soit mettre la performance, soit les mettre en favori ou changer les voitures, etc. Aussi, on peut être, on a un garage où on peut mettre différentes voitures, on peut les customiser. Il y a plusieurs façons de les customiser. C'est vraiment vaste dans ce domaine-là.
Il y a plusieurs activités aussi, pas que des courses, plusieurs activités secondaires, voiture, voiture tout-terrain, avion. Par exemple, en voiture, j'ai eu la fuite où il faut fuir. C'est pas une fuite comme dans les Need for Speed, ouais, parce que ce jeu il est un peu comme les Need for Speed, mais en mieux, je trouve. Et il n'y a pas la police qui doit nous poursuivre, là c'est nous qui devons fuir. Il y a comme un rond rouge qui nous poursuit et il faut essayer de fuir et faire 800 mètres, je crois, pour fuir. Il y a aussi les radars. Les radars, ils aiment bien aussi, c'est comme dans Need for Speed, les radars. En bateau, on peut dégommer des plots et on gagne des points. Et aussi la même truc, fuite. Voilà. En avion, il y a un autre truc où il faut passer dans des ronds en l'air. Oh, bien sûr, c'est un avion en même temps, c'est normal. Et il faut essayer de bien mettre l'avion comme il nous le demande. Ça, c'est vraiment bien. Voilà. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce jeu était vraiment bien. Perso, m'avait pas me lasté parce que sans que mais pas beaucoup y jouer et ça m'a suivi ce que j'ai vu. Mais pour ceux qui sont fans de ces genres de jeux, la bêta est encore ouverte. Je crois que le jeu il sort le 19 juillet. Alors pour les fans, je pense que je vous le conseille de l'acheter. Ce jeu est vraiment bien. En tout cas, c'était une petite vidéo qui change de d'habitude. Du coup. Moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao! Les pilotes que tu vois dans le rétro sont plus proches que tu crois. Alors essaie de les faire disparaître. Friend zone.